Une des explications peut-être, c'est que j'ai énormément écouté et joué de musique classique, et que dans la musique classique, il y a énormément de dynamique, il y a beaucoup de mouvements. Parce que en tant que violoniste, j'ai fait le conservatoire, et puis j'adore ça, j'écoute énormément de musique classique. En jazz, c'est pareil, j'adore les chanteuses et les musiciens qui vont me faire ressentir des nuances très très fines, et j'adore quand ça explose et quand c'est hyper intense. Voilà, je trouve que l'intense n'a de sens que si avant il y avait une petite pause. Et c'est vrai que du coup, pour faire des liens avec ce qui a été dit avant, entre le fait d'avoir grandi au bord de la mer et l'idée qu'il y a cette marée permanente, cette météo émotionnelle, parce qu'en fait, je crois que c'est aussi très lié à mon tempérament, qui donc, des fois, que j'explique un peu par la météo bretonne, puisque donc j'ai grandi en Bretagne, j'explique vraiment mes éclaircies du matin, mes moments de grêle, mes éclaircies du soir et tout. Donc voilà, ça a à faire avec cette espèce de météo, hein, la brume passe, oh, le soleil ressort, trop bien, c'est tout doux, c'est la tempête pendant 2 heures, oh, tac. Oh tiens, il y a de la grêle, il est 15 h, oh tiens, grand soleil, il est 18 h. Il y a quelque chose qui, vraiment, je me l'explique par ça, en partie.